Et l'amour, et la mort. La mort sort d'où? La mort sort d'où? Hey! Mais baisse un peu le volume là-bas, je fais mon direct. La mort sort d'où? Attendez, Jean. La mort sort d'où, Mélion? La mort sort d'où? Yeah! Hey, la mort, hey, la mort, la mort passe par où? Coucou, Mélion, c'est Mélion. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très, très bien. Quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Mélion, c'est Mélion. Nous avons appris la mort de Cécile la doyenne, je pense que c'est ça son nom. C'est une femme ici là à Paris qui avait un restaurant africain, plus précisément un restaurant camerounais, où les anciens femmes de temps de Oum Niobe partaient boire gratuitement. Où les anciens femmes que tous les jours disent que je vais taper le legze, tous les jours disent que j'assais, je suis en train d'attendre un mougoula. Oh, je vais aller taper le fait. Ils partaient prendre le crédit. Et apparemment, elle est partie au Cameroun de millions et millions pour ouvrir son deuxième restaurant. Elle se lève, on dit qu'on est venu la trouver le matin, les pieds étaient gonflés. La femme d'autrui avait déjà rendu l'âme. Que tous les femmes, si même si c'est à l'an 78 que vous allez porter le fait, donnez l'argent de la femme, là. Wow. Millions et millions, quand j'ai vu ça, j'ai dit que Seigneur Jésus, la vie c'est quoi? C'est nous qui mettons l'importance sur la vie, Mélion. Je passe mon temps ici à parler de chez Camoise Beauty. Je prends l'argent, je continue. J'ai dit que c'est l'argent de quoi, Mélion? Je suis partie acheter le téléphone 1000 euros. Je suis partie acheter le téléphone 1000 euros. Que je vais aussi mettre dans ma main comme ça, ça va me plaire. Quand elle est partie au Cameroun, elle a pris son première classe. Donc, comme elle va Gola, comme elle go d'Ailano. C'est avec le jus, donc la plaisance des premières classes qu'elle a pris là, qu'elle va partir avec. Hey! Dimoni n'est pas bien. Mais Yann, avant, si tu me fouettais même comment, je ne pouvais pas sortir 1000 euros pour acheter un téléphone. Je vais commencer à calculer. Bon, 1000 euros, ça fait combien de sacs de ciment? Parce que vous savez que quand tu commences à construire, non? Pour sortir l'argent, pour faire autre chose, c'est compliqué. Avant de sortir l'argent pour acheter le téléphone, si je dis que je ne... Mais, je dis que, yay! Donc l'argent que je suis en train de chercher comme une folle, comme ça, peut laisser ça les autres restent manger. Mais Lyon, je suis partie prendre les bijoux des enfants. Voici la facture. 300 euros chacun. J'ai dit que 300 euros, ça c'est pour graver leur nom. Ça ici, là, c'est pour graver leur nom sur ça. J'ai dit que, yay, mes enfants, tous les jours je travaille, l'argent de quoi? C'est l'argent de quoi que je travaille, je ne peux pas faire plaisir aux enfants, mes lions et mes lions. Je suis partie, j'ai dit que Seigneur Jésus, même si c'est l'argent de la sorcellerie, je vais manger aussi avant de partir. Cécile, la doyenne, on l'appelle comment la doyenne, voilà. Voilà. J'ai dit que maman, je m'en vais faire plaisir aussi à mes enfants, mes lions et mes lions. Tous les jours, je marche ici, j'ai dit que Camoise Beauty. Quand je me balade dans l'ombre de la mort, avec un mois de budget, je ne crois aucun mal. On paye. Je prends l'argent, j'attasse. Je prends l'argent, j'attasse. Seigneur, je suis. Millions et millions, je sais que tous les jours, quand quelqu'un meurt, on prend des résolutions et deux jours après, on a oublié. Mais non, 2023, si quelqu'un a envie d'acheter sa belle perruque, parce que d'autres vont voir la perruque comme ça, là, c'est beau. Mais elle va dire que maman le prix. Ma chérie, je dis que si tu me fouettais avant, je n'aurais pas cherché. Le téléphone, ça me plaisait. Ça me plaisait. Quand je voyais dans la main des autres, je dis que maman, 1500 euros le téléphone, que c'est quoi? 1500 euros, c'est l'argent du terrain. Je vois c'est beau dans les mains des gens. Je vois c'est beau dans les mains des gens. Je dis que non, 1500 euros, ça me fait au moins même 40 sacs de ciment. Je prends l'argent, mais tiens, mais j'envoie au pays. Quand je vais mourir, ils vont vendre l'immeuble là. Mais Lyon, ils vont vendre l'immeuble là. Dit que celle-ci ne savait même pas manger son argent. Hein. J'ai commandé encore les perruques. Je dois mettre sur moi-même parce que millions et millions, je vendais les perruques. Mais sur moi-même, non. Je ne mettais pas. Je ne vais pas vous mentir. J'achète la perruque, c'est beau. Tout le monde commande. Je vends tout et prends l'argent en tasse.
Pour moi-même, je ne mettais pas. Je suis partie chez le fournisseur, j'ai dit, papa, tu vas m'envoyer 15 perruques pour moi-même. Pour, j'ai dit que pour moi-même, parce que je vais vendre. J'ai dit que pour moi-même. Mais celles qui sont tombées la million, que depuis je suis en train de vous dire que j'hésite pour aller soulever ça. Je vais aller soulever. Je vais aller soulever. Je veux mettre ça debout. Parce que voilà Cécile Nadouane. Ou c'est Céline Nadouane. Là voilà. Dans quelques mois, tu vas partir. Les 5-6 seront déjà, les asticots auront déjà tout mangé. Millions et millions. Depuis là, j'ai réfléchi que merde, 6000 euros seulement pour soulever les seins pour mettre ici en haut. Parce que mes seins étaient comme midi, Kenan et Kaïda ont été soulevés comme 18h. Ça regarde que le sol. Et ça m'énerve. Je disais que bon, je vais aller soulever ça, je vais mettre un peu ici à côté. Après, on me dit que quand on soulève, les nerfs finissent. J'ai dit que si les nerfs finissent, donc ça veut dire que si on suscite pour ressentir quelque chose sur ça, ça m'énerve. J'ai dit que non, je ne soulève plus. Je veux ressentir le mignonnet. Mais Mélion, alors sinon, vous entendez ce qu'elle dit, je vais aller soulever. On va soulever ça comme ça là. Je peux même... On va soulever ça comme ça là, mettre comme ça là. Voilà. Ouais, non. Voilà, le téton va se retrouver loin ici. On va... Attendez. On va soulever le sein là comme ça. Ça va être... Ouais, non, comment c'est... Donc, je n'ai même pas encore mis... Regardez. Mais, ça va être le papa, il sera bien... Regardez. Regardez, il y a comment c'est, il y a même beau. Regarde, quand c'est en bas là, ça... Regarde, quand c'est en bas là, ça pend, ça... Regarde, c'est moi le sol. On va soulever... Regarde, quand on soulève. Quand on soulève... Parce qu'il y a encore le mamelon. Voyez comment c'est... Voyez comment c'est... À quel niveau c'est... Hey! Je veux que m'habituer. Tant pis pour moi si chérie m'aime. Ha! Maman, ceci, là, oh, l'amour, imbécile, l'amour. Ceci, la douane, tu laisses tout l'argent là. Qui va manger? Qui va manger? Et vous, s'il vous plaît, ceux qui travaillent chez ceci, la douane, il y a le cahier de crédit. Donnez les noms des gens là. Parce qu'il y a les femmes mannequins, vous les voyez, ils mettent les vestes et les cravates. Ils sont dans le 18e, 17e, les pavés, les grosses têtes. Les têtes comme le Nyamangolo. Ils sont habillés, boivent des champagnes. Oh, Charlie le mignon. Oh, Escobar le milliardaire. Oh, Dagobert. Ils ont que des cancans, non, les noms terribles. Mais sur la table là, comme on est installé là, comme ça, non. C'est les champagnes loués. Loin comment? Attendez, je vous explique. On va déposer, laisse-moi faire mon direct. On dépose sur la table 5 bouteilles de champagne. Il est assis depuis 14h. Il va quitter là-bas 2h du matin. Hein. Il est assis là-bas, millions et millions, depuis 14h. Il boit seulement la coupe là. Dès qu'une petite fille passe un peu pour lancer un peu ses petites fesses là, il drague. Il sait que bon, j'ai 3-4 numéros là, je rentre, des gros, des pères comme des ventres, comme les filets, comme même pas entendre l'odeur de Feman. Elle soulève. Attends, je vous explique. C'est donc comme ça là que millions et millions, les six bouteilles là, non, il va boire de 14h jusqu'à 2h qu'on va fermer. Il va boire qu'une seule bouteille. Hein, et une seule bouteille, il va aller. Ah oui, Céline Ladouane, mets ça dans mon cahier. Mets dans mon cahier, écris. Quand le feu va tomber, non, je vais te guider l'argent, je vais donner pour toi. Mets dans le cahier. La main au ciel, elle note dans le cahier. Les 4 autres bouteilles qu'il n'a pas bu là, on renvoie ça derrière. Demain, quand ils reviennent, on remet encore les 4 autres bouteilles là. Ainsi de suite. Ça liste des dettes comme ça là, en attendant que le feu tombe et qu'il vienne rembourser. Pause publicitaire. Pour avoir un teint éclatant, foudroyant et lumineux, comme la camoise, j'utilise les produits de chez Camoise Beauty. Faites à base d'intrants naturels et organiques. Camoise Beauty ne décape pas. Vous qui prenez l'argent, vous gardez. Vous avez le corps sur le corps. Vous ne voulez pas acheter votre gamme pour vous faire plaisir. Il y en a qui voient la gamme, surtout les filles de l'Italie, dure comme le vous, elle a la patate qu'on a séchée sous le soleil de midi 14h là, non. Dieu comme la souris de l'église. Je dis qu'elle va voir les boutons sont versés sur son visage. Le teint n'est même pas uniforme. Elle va voir comment lui tu vas la plaire.
Elle va prendre l'argent, elle va garder. Ma soeur, Cécile la doyenne ou Céline la doyenne, elle n'est pas partie avec sa maison. Elle n'est pas partie avec son restaurant. Elle est partie avec ce qu'elle a mis sur elle, qui la plaît. Elle a pris sa première classe, elle est partie au Cameroun. Ça l'a fait plaisir. Ça l'a fait plaisir. Il faut qu'on apprenne aussi. Il faut qu'on apprenne aussi à se faire plaisir. Tu es là, tu vois le packaging de Camoise Beauty. Attendez. Ouais, même l'autre, là. J'ai mis ça où? J'ai mis ça dans la voiture. Attendez, mes lions. On peut faire comme ça que j'ai laissé ça dans la voiture. Oh, Aïcha Camoise, ton teint gloss, tu es éclatante, tu es foudroyante. Le teint est parfait. Sans qui sent les quintos, il n'y a pas les quintos, Aïcha Camoise. Je vais utiliser ta gamme. Elle vient te prendre 70 000 questions. Au final, elle te dit que j'ai compris. Mes soeurs, je ne veux pas laver ça avant le temps. Parce qu'on peut penser que Cécile, Céline a doit être morte comme ça, là, à cause des dettes. Qu'elle restait contre son argent, que Charlie le Champagnat me doit 1000 euros. Escobar le Machin me doit 2000 euros. Dagobert le Mignon, ils ont tous les noms terribles. Franck de Bordeaux. Stéphane le Faroteur. Les noms. C'est comme ça que c'est sûr qu'elle est restée la nuit. Mais Lyon, elle a commencé à calculer ses dettes comme ça. Un fil a sauté. Elle est finie. Donc les clientes qui passent le temps à me déranger pour me poser 70 000 questions, je ne veux pas laver ça avant le temps. Je ne veux pas laver ça avant le temps. Vous voyez comment le teint parle chinois, vietnamien, thaïlandais. Tu as envie d'acheter, on a des représentantes au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, en Italie. Et on a le site internet. Et on a le site internet, tu veux commander, tu vas commander. Vos questions que vous venez me taper la tête pour que la vie c'est ma trappe là. Pardon, je veux voir mes enfants grandir. Hé, hey, la vie, hé! Hé, si tu as, hé! Hé, si tu as, hé! Hé, la vie c'est quoi? La vie c'est quoi? Imbécile la mort. Hé, hey, imbécile la mort. On parle d'empoisonnement. On n'a pas encore le toxine n'est pas encore sorti. Une femme qui était bien portante. Hein? Yeah! Une femme qui était bien portante. Yeah! J'espère au moins qu'elle a joué avant de partir. J'espère au moins ou peut-être qu'elle a rencontré un petit garçon là qui a coupé la dernière veine. Ah, mais on ne sait pas, hein? On ne sait pas, hein? Parce que les mères là partent souvent au pays comme ça là. Elles se mettent bien avec les jeunes qui prennent le poutoulou. Parce qu'il y a des nouveaux gars là, mais ils prennent le poutoulou. Quand il t'attrape, si tu ne fais pas 2 heures sur toi, ne descends pas. Les gars diminuent aussi la dose du poutoulou. Hein. On dit qu'empoisonnement. L'autopsie n'est pas encore sortie. Mais moi, j'ai retenu quelque chose. Mes lions et mes lions. C'est une chose que moi, j'ai retenue. Hein. C'est que je vais me mettre bien. Je vais me mettre bien. Je vais me mettre correctement et bien. J'ai envie d'acheter ma chose, j'achète. J'ai envie de manger, je mange. Je ne veux plus être dur avec moi-même. Je ne veux plus me mettre le stress. Parce que souvent, j'ai le stress. Je me prive énormément. Hein? Je me prive énormément parce que je dis non, non, non. On m'attend là-bas au Cameroun avec 6 millions. On m'attend là-bas au Cameroun avec 20 millions. Je me mets le stress, je ne dors plus. Je ne dors plus. Non, c'est stop, c'est fini. Hey, je me suis rendu compte que laver, c'est pas m'attraper. Une fille voit une jolie perruque comme ça, elle lui dit que c'est 570 euros. Elle va crier. Crier, ma chérie, n'achète pas. Va acheter ton kunjang. N'achète pas. Hein? Pardon. La vie, c'est quoi? La vie, c'est quoi? Hey! Tu parles avec quelqu'un lundi. Dès que tu raccroches, on t'appelle pour te dire que la personne est partie. Hey. Mais Lyon, je vais aller chercher, avant que Kaidoudou ne casse, je vais aller chercher la coque pour mettre sur mon joli téléphone. Je vais aller chercher la coque. Je dis qu'avant, mais avant d'aller acheter le téléphone, elle s'est dit que maman, je vois le téléphone dans la. Je vois le téléphone dans les mains des gens. Ça me plaît. Ça me tente. Mais quand je vois le prix 1500 euros, je vois le prix 1000 euros, je vois le prix, je dis que maman,
Miss, il commence à calculer. Un sac de ciment, c'est 6 000. J'ai dit que merde, 6 000 fois combien? Ça peut faire combien? Et tout, je calcule. Il dit que non, là, le téléphone n'a pas à attendre. Entre-temps, Seigneur, donne-moi la force. 2023, je vais profiter. Parce que on ne connaît pas quand la mort cogne à la porte. On ne connaît pas quand la mort cogne à la porte. La mort peut cogner à tout moment. La mort ne prévient pas. La mort n'a pas d'heure. La mort n'a pas de jour. La mort ne calcule pas les enfants. Ça ne calcule pas les riches. Ça ne calcule pas les pauvres. La mort ne calcule rien du tout. Alors si on peut profiter un maximum, éviter de faire les problèmes dans notre entourage. Parce que tu peux être là comme ça, là, tu boudes une amie. Tu te lèves le matin, tu te dis que oh, telle personne est morte. Hein? Hein? Hé! Hey! Hé! Hey! Hé! Hey! Non, je suis choquée. Je suis choquée. Que celui qui a fini avec, si c'est l'empoisonnement, que celui qui l'a tué ne reste pas mourir. Si c'est, si ça veut que c'est vrai qu'on l'a empoisonné, que celui qui l'a tué ne reste pas mourir. Parce que nous, souvent, Gamelion, tu ne peux jamais trop être prudente. Vous comprenez, non? Parce que souvent, oui, Aïcha, quand ils sont comme moi, fais attention à toi. Tu ne peux jamais trop être prudente. Jamais. Même ton cousin peut te donner. On peut passer par ton cousin. Donc, tu ne peux jamais trop être prudente. Avant, après, j'ai un moment, j'ai laissé tomber. J'ai dit que mais ça, c'est des conneries. On peut passer même par ma cousine. Vous n'avez jamais vu des cousines qui ont fait ça? Vous n'avez jamais vu même les sœurs de sang? Vous n'avez jamais vu les maris, les femmes? Quand c'est ton jour, c'est ton jour. Il faut prier simplement ton bon Dieu. Il faut prier ton bon Dieu. Maman. Maman, ça mange sur tout le monde. Vous voyez comment ça mange sur tout le monde. Mais Dieu, c'est meilleur. Aimez-moi quand je suis encore en vie. Aimez-moi quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort pour faire des cotisations. Aimez-moi quand je suis encore en vie. Achetez les produits chez Camoise Beauty pour m'encourager. Hein? N'attendez pas quand je meurs. Aimez-moi quand je suis encore en vie. C'est ce que moi, je vous demande. Hein? Voici ça. Hein? Voici ça. Achetez des produits de chez Camoise Beauty pour m'encourager. N'attendez pas que je meure. Oh, la petite Aïcha là, c'était une battante. Ouais. Quand elle était vivante, je voulais acheter ses produits. Mais quoi? Mais quoi? Qu'est-ce qui t'empêche? Tu cotises? Tu gardes? Hein? Aimez-moi quand je suis encore en vie. Mes produits sont disponibles sur le site www.camoisebeauty.com. Vous partez sur la barre de recherche Google. Je vais vous mettre encore en tête là. Je vais vous mettre le numéro. Vous passez commande. D'autres appellent à vous prendre commande. Moi, j'utilise la gamme miraculeuse. Je suis un peu enrhumée. Moi, j'utilise la gamme miraculeuse. C'est miraculeuse que j'utilise. J'associe miraculeuse avec le sérum. Que voilà, je vous ai montré à maintes reprises. J'associe miraculeuse avec ce sérum que voici. Voilà. Booster de teint. Voilà, donc j'associe les deux. Ça, c'est le sérum de chez Miraculous. Je vous montre. J'utilise le gel douche gommant exfoliant. Toujours de caramel, toujours de Camoise Beauty. J'utilise le gommage. Toujours de chez Camoise Beauty. Moi, j'utilise que les produits de chez Camoise Beauty. J'utilise le sérum visage de chez Camoise Beauty. Attendez, je range tout ça. Si Kaidou tout passe là. Voilà. J'utilise la crème visage de chez Camoise Beauty. Mais quand je suis au Cameroun, pour éviter, pour protéger ma peau, j'utilise Acne. Acne, c'est pour toutes celles-là qui ont des problèmes à caractère acnéique. Elles doivent utiliser Acne. Là, on a Acne crème visage jour. C'est la crème visage jour, c'est blanc. On a Acne crème visage nuit. La crème visage nuit, c'est jaune.
Tout ça sur le site internet www.camoisduchy.com. Pour terminer, Tata la doyenne, que ton âme repose en paix. Voilà. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Doux repos à toi. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. C'est vraiment triste. J'ose espérer que ça ne soit pas ce qu'on dit là, que c'est... que c'est le poison. J'ose espérer que ça ne soit pas ça. J'ose espérer que ça ne soit pas ça. J'ose espérer. Ah, mais c'est la mort.